Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en cuisine pour réaliser la recette du gratin de courgettes au poivron et au fromage. Si vous avez un repas à préparer à la dernière minute, c'est vraiment la recette qu'il vous faut, c'est prêt en un rien de temps et c'est surtout très savoureux. À la fin de cette vidéo, je vous donne plein d'astuces pour adapter cette recette. En attendant, on commence par les ingrédients. Pour cette recette, vous aurez besoin de poivrons, des courgettes, du sel, du poivre, des herbes de Provence, des œufs, de la moutarde, de l'huile végétale, olive ou tournesol, de la crème fraîche entière et du fromage, parmesan ou emmental par exemple. Le gratin de courgettes au poivron et au fromage est enfin prêt. C'est un plat végétarien, mais vous pouvez bien évidemment y ajouter des lardons, des allumettes de bacon et pourquoi pas des allumettes de jambon. J'opte pour de la crème fraîche entière, mais vous pouvez évidemment la remplacer par une crème végétale, soja ou coco par exemple. L'avantage, c'est que quand c'est végétal, il n'y a pas de cholestérol. N'hésitez pas à remplacer les légumes par d'autres en fonction des saisons, champignons, carottes et pourquoi pas brocolis ou chou-fleur. Quant au fromage, choisissez celui de votre choix et n'hésitez pas à faire des mélanges, ça sera vraiment très gourmand. Retrouvez l'intégralité de la recette dans le lien qui s'affiche dans la description juste en dessous. Sachez que vous pouvez télécharger et imprimer gratuitement la fiche recette directement sur mon blog culinaire. Vous y retrouverez également plein d'autres recettes de gratin. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve sur Facebook, Instagram et sur mon blog culinaire recettesansfin.fr pour plus de nouvelles recettes. Bon appétit et à bientôt !